Très bien. L'heure est avancée. Nous allons nous lever un moment encore pour la lecture de la parole de Dieu. Ce ne sera pas long. Nous lirons deux textes ce matin. Le premier dans l'épître de Jacques, chapitre 4. Juste un verset qu'on va dire. Jacques 4, le verset 8, qui dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Moi, je retiens cette première partie. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il n'y a pas de doute pour cela. Nous lisons un autre texte dans le livre des psaumes, dans les psaumes 73. Je vais lire à partir du verset 21. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Et quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, disait Asaph, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alors je souhaite que vous aussi, moi aussi, que nous placions toute notre confiance dans le Seigneur, notre refuge dans le Seigneur, afin de raconter ses œuvres. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors je vais intituler le message « Approchez-vous de Dieu ». Approchez-vous, c'est un mouvement que l'on fait vers Dieu. Parce que nous nous approchons de quelqu'un qui tient nos vies entre ses mains. Nous nous approchons de quelqu'un qui a un rêve pour nous. Et Dieu, quand il a un rêve pour ses enfants, il tient à le réaliser. Il tient à le réaliser et il a tout mis en place pour que cela soit possible. Nous venons d'en parler longuement avec la Sainte Cène. Quand l'homme avait péché, il s'était privé de la gloire de Dieu. C'est ce qui est arrivé, c'était la conséquence du péché. Mais Dieu n'est pas resté indifférent. Il avait créé l'homme, pas pour le perdre, il avait créé l'homme pour qu'il puisse passer l'éternité avec lui. D'où il a donc offert son fils en sacrifice à la croix pour que ce qui avait été rompu comme pont soit rétabli. Le péché nous coupe de la communion de Dieu. Le péché nous avait coupé de la communion de Dieu et il y avait un gouffre. Il a fallu que Jésus vienne combler cela, évidemment, par l'œuvre de la croix. Et depuis lors, nous avons à nouveau un accès libre auprès du Père. Nous avons un accès illimité au trône de la grâce. C'est nous qui nous privons d'aller au trône de la grâce. Lui nous invite, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, dit-il. Donc la responsabilité nous incombe. Si les choses ne vont pas bien dans notre vie parce que nous avons coupé ce contact avec Dieu, nous avons perdu ce contact avec Dieu, ben la responsabilité nous incombe à nous. C'est à nous de revenir à lui. C'est à nous de nous approcher de Dieu. Et lui va faire le mouvement contraire, comme dit Jacques, il s'approchera de nous. Ça veut dire tout simplement, bien-aimé, que l'amour de Dieu exige de nous des efforts. L'amour de Dieu exige de nous une réponse. L'amour nous est offert, mais il faut y répondre, il faut l'accepter, il ne viendra pas l'imposer, il faut l'accepter. Ça exige de nous une réponse, ça exige de nous que nous manifestions notre adhésion. Oui, je l'accepte, oui, je le veux, oui, je veux marcher avec toi, oui, je veux m'abandonner à toi, oui, je veux vivre pour te plaire. Nous devons manifester aussi notre intérêt à le suivre, notre intérêt pour Dieu.
Si Dieu s'attend que nous nous approchions de lui, ben c'est qu'il a quelque chose à faire, qu'il a quelque chose à nous dire. Et tu dis à quelqu'un, approche-toi, là j'ai quelque chose à te dire à l'oreille. Il faut que l'autre s'approche, sinon tu ne diras pas parce que tu ne veux pas que tout le monde... Il veut s'approcher, que nous puissions nous approcher de lui. Il a quelque chose à nous dire, il a quelque chose à nous confier. Approchez-vous de moi, c'est aussi parce que il veut notre compagnie, il apprécie notre compagnie. Tu ne vas pas dire à quelqu'un que tu ne veux pas sentir de s'approcher de toi, non. Mais tu dis ça à quelqu'un, que tu as du plaisir à être avec lui, tu veux t'entretenir avec lui, tu veux avoir plus de proximité avec la personne, alors là tu dis, approche-toi de moi. Le désir profond de Dieu, bien-aimé, c'est que l'homme s'approche de lui. De tout temps, c'est que l'homme revienne. Mais on sait combien c'est difficile. Si les gens le comprenaient si facilement, mais chaque fois que nous parlerons à quelqu'un de Dieu, que Dieu nous aime, que Dieu nous tend les bras, les païens viendraient en masse. Vous avez toute la difficulté que nous avons. Non pas que c'est nous qui faisons venir les gens à Dieu, mais nous leur parlons de la part de Dieu pour qu'ils fassent le mouvement, qu'ils puissent venir vers Dieu. Nous leur lançons l'invitation, mais ils résistent encore à cette invitation parce qu'il y a une certaine responsabilité qui vient avec et qu'ils ne veulent pas faire ce pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire ce pas? La plupart des gens savent ce que ça implique de venir à Dieu. Ils savent qu'ils vont devoir renoncer au mal, au péché. Si tu vis dans le mal, si tu vis dans le mensonge, si tu vis dans le péché, que tu t'y plais, que tu nages dedans et que tu es heureux dedans, quitter cet état n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On connaît quelqu'un qu'on exhortait. Il voyait, il comprenait les bienfaits de venir à Dieu, mais il dit, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. J'aime tellement cette vie-là de sortir, d'être avec des amis dans des bars. Je me plais tellement là-dedans que je ne suis pas prêt. Parce que si je fais le pas, je dis, je donne ma vie au Seigneur, je sais que je ne tiendrai pas le coup longtemps et je vais retomber. Je ne suis pas prêt. Les païens, c'est un peu ça. Ils ne sont pas prêts à ce changement. Mais certains chrétiens aussi, ayant même donné leur vie au Seigneur, étant même revenu à Dieu en se repentant, etc. Mais il y a encore des choses auxquelles ou qui nous attachent au monde. Il y a encore des choses auxquelles on est attaché et qui, inévitablement, évidemment, créent cette distance entre nous et Dieu. Il y a des choses, il y a des amis qui peuvent être ce frein qui nous empêche d'aller vers le Seigneur. Il peut y avoir notre travail. On peut aimer son travail. Il faut aimer son travail parce que c'est ton gagne-pain. Mais tu ne veux pas aimer le travail au détriment de ta relation avec Dieu. Il y a quelqu'un que je connais à qui on a offert un très bon poste. Très, très bon poste de responsabilité. Mais c'était dans une compagnie qui fabriquait l'alcool. Lui dit, si je vais là-bas, je vais devoir goûter, je vais devoir faire la publicité de la boisson, etc. Il a refusé ce poste. Il a refusé ce poste. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui travaille dans les brasseries, c'est des malheureux, c'est des ci et des cela. Mais comme enfant de Dieu, il y a des choix que nous pouvons prendre dans la vie. Je dis non, ce travail-là, je n'en veux pas parce qu'il va m'empêcher d'être libre pour honorer Dieu, pour servir Dieu. Des amis peuvent être un frein. Le travail, notre sécurité matérielle. On veut tellement à notre, on tient tellement à notre sécurité matérielle que pour ne pas perdre un avantage, on peut préférer garder des distances. On veut tout simplement être sûr qu'on a le contrôle surtout. On n'est pas prêt à s'abandonner entre les mains du Seigneur. Or, ce que Dieu veut, j'aime toujours le dire, je me répéterai, c'est notre totale dépendance envers lui. Et on n'est pas toujours prêt, même enfant de Dieu, parce qu'on a peur justement de perdre ce contrôle. On veut garder le contrôle sur ma vie. Je veux savoir où je m'en vais. Je veux savoir où je suis rendu dans mes finances. Ce n'est pas mauvais. Mais tu ne peux pas passer. C'est un piège qui m'est arrivé dans le temps. J'ai passé mes journées, j'étais encore en Afrique, calculer l'argent qu'on avait en compte. Tous les soirs, je regardais, c'est combien maintenant? Tous les soirs, j'ai dit, oh, ça va nous amener, en tout cas facilement, à 10 ans, à 15 ans de vie, sans problème. Ouh,
Mais un jour, un flash est venu. Un flash est venu dans mon esprit. Je dis, mais comment je peux être réduit à ça? Est-ce que Dieu n'existe pas? Oui, c'est bien d'avoir appris des économies. Oui, c'est bien d'avoir géré ce qui est tombé entre nos mains. Mais tu ne peux pas être omnibulé par ça. Ne plus dormir tout le temps à penser, ok, ça a monté d'autant. Aïe, 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 ça a baissé. Tu vas devenir malade. Compte sur Dieu. Lui, il s'est bien gardé, il s'est bien veillé sur tes intérêts mieux que tu ne le penses. Amen. Et dans le psaume 73, j'aime ce psaume 73 de Asaph. Asaph qui était un chanteur dans la maison de Dieu. C'était un lévite. Sa place était dans la maison du Seigneur. C'était son appel, c'était sa vie. Il devait vivre là-bas. C'était ça à cette époque. Il devait vivre là-bas dans le temple, etc. Et il devait donc passer son temps à servir au temple. Mais lorsque tu commences à regarder ce qui se passe à l'extérieur, la vie que d'autres personnes mènent et que tu la compares à la tienne, des fois tu peux te trouver que tu es misérable. Tu dis, mais comment? Je regarde cet homme-là. Il dit dans son texte, je n'ai pas lu l'entièreté, mais il dit, je regardais leur embonpoint, l'embonpoint des méchants. Tout ce qu'ils touchent réussit. Tout ce qu'ils ont l'embonpoint. Oui, mais il a fallu que plus tard, quand il rentre dans la présence du Seigneur, Dieu lui a ouvert les yeux et il voit le sort qui est réservé aux méchants. Il dit, non, ça, je peux pas préférer ce sort-là au mien. Le mien, c'est que je suis avec le Seigneur et je sais qu'il m'a préparé une place et puis je vais continuer dans ses voies. Donc, ne portons pas envie aux insensés en s'attardant sur ce qu'ils ont comme bien-être. C'est un bonheur passager, c'est un bonheur qui peut échapper entre les doigts comme ça. C'est un bonheur passager. Comme résultat, évidemment, en voyant cela, tant qu'il n'est pas revenu au Seigneur, il était triste. Et c'est ça le risque. Tu es triste. Tu regardes dans ton compte tout le temps, tu dis, mais moi le mien ne monte pas, mais mon voisin, mon ami, lui me dit qu'il a beaucoup de bien. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que je ne réussisse pas dans la... Arrêtons de nous plaindre. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Il connaît bien ce qu'il nous faut et il a tout ce qu'il faut pour que nous soyons bien, pour autant que nous nous abandonnions entre ses mains. Amen. Et notre bien-être ne dépend pas de ce que nous possédons. Notre bien-être dépend de ce que Dieu met entre nos mains. Lui qui connaît les vrais besoins que nous avons, et il nous donne ce qu'il nous faut. Amen. Pour vivre, pour avancer dans la vie. Le verset 21 que j'ai lu décrit l'état de psaume 73, décrit l'état d'Asaph. Il dit qu'il s'aigrissait en lui-même. Il devenait aigri et il se sentait percé comme quelqu'un qu'on a percé dans les entrailles. Wow! À cause du fait qu'il regardait simplement aux conditions, il commençait à envier la condition des autres. C'est la même chose, bien-aimé. Quand on appelle les gens à la sanctification, à quitter le péché, à quitter le mal, à quitter tout ce qui ne plaît pas à Dieu, mais les gens se sentent comme visés. Pourtant, on n'accuse personne. On vous dit ce que Dieu veut. On vous dit ce que Dieu cherche pour vous. Il n'accuse personne. Ne vous sentez pas aigri, ne vous sentez pas pointé du doigt. Pourquoi, pasteur, tu as dit ça? Parce que tu pensais à moi. Non. Je dis ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, si vous vous retrouvez là-dedans, mais à vous de réagir à cette parole. À vous de réagir à cette parole. Mais lui, il a vite constaté que c'était dangereux. La position dans laquelle il tendait, il dit que c'est stupide, c'est être comme quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Et il s'est résolu à revenir à son poste. Il est revenu dans les sanctuaires de Dieu. Il s'est approché de Dieu et il s'est de nouveau bien senti dans la présence du Seigneur. C'est là qu'il dit au verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Et c'est mon seul bien, m'approcher de Dieu. Où irais-je, loin de Dieu? Qu'est-ce que je vais aller trouver loin de Dieu? Par contre, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je m'approche de la source, je m'approche d'une source intarissable, je m'approche de celui qui m'aime, je m'approche de celui qui est capable de veiller sur moi, qui est capable de me sortir d'une situation dans laquelle je peux me retrouver. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Que ce soit votre bien aussi. Amen. Et c'est le but du message de ce matin, que nous puissions nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Nous approcher de Dieu, c'est avoir un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. Un cœur pour dire qu'il peut nous confier des missions spéciales. Et Dieu ne confie des missions spéciales qu'à des gens qui ont un cœur tout entier pour lui.
Il ne va pas confier des missions spéciales à des gens qui vont lâcher en cours de route, etc. Mais il veut confier des missions spéciales aux gens dont il connaît le cœur. Je pensais à une personne comme Moïse. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 10, il dit, va, c'est Dieu qui lui dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ça prenait quelqu'un comme Moïse, avec un cœur qui n'aime pas l'injustice, qui n'aime pas l'injustice. Vous savez ce qui lui est arrivé? Comment il, quand il a pu sortir de la cour de Pharaon, il s'est libéré de la cour de Pharaon pour aller vers ses frères parce qu'il voyait l'injustice qu'il y avait auprès de ses frères et que quand il a vu des Hébreux se battre entre eux à un moment donné, il dit, mais pourquoi tu fais du mal à ton frère? C'est un homme qui n'aimait pas l'injustice. Et Dieu connaissait le cœur de Moïse, il lui a confié une mission spéciale d'aller libérer son peuple. Le cœur de Gédéon, c'était un cœur d'humilité, un homme simple. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, verset 14, Dieu lui dit aussi, va avec cette force. Il disait, mais c'est trop gros ce que tu me confies. Je ne suis que le plus petit de la plus petite famille, hein, de la petite tribu. Un homme humble, mais Dieu voit son cœur d'humilité et lui a confié cette mission grande. Va avec cette force, tu vas aller délivrer Israël de la main des Madians. Le cas de Ananias. Ananias, dans le livre des Actes des Apôtres, à qui Dieu dit qu'il va dans telle rue, tu vas aller rencontrer Saul qui venait de se convertir. Il avait besoin que quelqu'un le porte. Hein? Il avait besoin que quelqu'un le porte, que quelqu'un aille l'encourager. Paul, il vient de tuer des chrétiens pendant des années. Il faisait du mal partout. Et quand il donne sa vie au Seigneur et il revient au Seigneur, il s'abandonne à lui. Il a besoin qu'il soit appuyé. Il a besoin que des gens le tiennent par la main pour dire, voilà, tu es devenu notre frère, nous allons cheminer ensemble. Il confie la mission à Ananias. Et dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 11, Dieu dit encore, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, Ananias, tout en ayant peut-être hésité au début, tout en sachant qu'il était sans doute une des cibles de Saul de Tarse, parce qu'il venait là-bas pour faire du mal quand il était rencontré par le Seigneur en cours de route. Mais il s'est levé, il avait un cœur d'obéissance. Et Dieu le savait et il l'a envoyé auprès. Donc Dieu va se servir des gens qui ont un cœur qui est tout entier pour lui. Alors je vous encourage, ayez un cœur tout entier pour Dieu et il va se servir de vous dans différentes missions. Maintenant, quand on s'approche de Dieu, on découvre évidemment qui il est. C'est vrai. Quand vous observez quelqu'un toujours à distance, vous ne savez pas quels sont ses goûts, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, etc. Comment pouvez-vous devenir ami de quelqu'un si vous ne savez pas, hein? Mais si vous voulez devenir ami de quelqu'un, vous allez au moins vous intéresser à savoir quels sont ses goûts. Et pour cela, il faut le fréquenter, il faut s'approcher de lui. C'est la même chose. Quand nous nous approchons de Dieu, nous découvrons davantage qui il est. Qui il est? Il est un Dieu d'amour et de compassion. Dans les livres de Michée, Il affirme la confiance qu'il a dans l'Éternel. Il dit ceci dans Michée 7, verset 18, il dit, quel Dieu est semblable à toi? Un Dieu qui pardonne l'iniquité. Un Dieu qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il faut, quand on s'approche de lui, on connaît Dieu, on découvre qui il est. Lui, il l'a fait. C'est pour ça qu'il peut dire cela dans ces passages. Il connaît Dieu, un Dieu à qui on ne peut trouver quelqu'un à qui on puisse le comparer. Il pardonne, il l'oublie. C'est quelqu'un à qui on peut s'attacher. C'est quelqu'un qu'on peut servir et qu'on peut vraiment aimer. Ésaïe nous dit aussi dans Ésaïe 46, les versets 9 à 10, « Car je suis Dieu ». Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Il faut s'être approché de lui pour le connaître, pour l'entendre lui dire ça. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli.
Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté, toute ma volonté. Personne ne peut s'opposer à lui. Voici le Dieu que nous voulons connaître. Si vous ne le connaissez pas comme ça, vous allez douter de lui faire confiance. Mais lui dit, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ce que j'annonce, je suis capable de l'exécuter, de le faire arriver. Alors ça vaut la peine de s'approcher de tel Dieu. Et donc une telle connaissance de Dieu, évidemment, crée en nous la confiance. Ça fait grandir la confiance. C'est pour ça qu'on dit, quand tu médites la parole de Dieu, tu es en train de le découvrir. Il se présente dans sa parole. Tu le connais dans toutes ses facettes. Et il n'est pas, c'est pas fini. Il n'y a personne qui va dire qu'il le connaît à 100%. Il y a des choses que nous ne connaîtrons jamais seulement quand nous serons dans sa présence. Amen. Mais nous faisons des efforts pour le connaître. Plus nous le connaissons, plus nous sommes en mesure de l'aimer. Plus nous le connaissons, plus nous sommes en mesure de le servir comme il faut, avec crainte et tremblement. Plus nous le connaissons, plus nous sommes en mesure de nous attendre à lui. De nous attendre à lui. Même ce qu'on disait tout à l'heure de notre sœur qui est dans l'état où elle est, dans les soins intensifs, mais elle connaît Dieu. Ce visage qui est rayonnant, c'est une forme de paix. C'est une paix intérieure qu'elle a. Parce qu'elle dit, je sais où je m'en vais. Un jour ça va venir, certainement. Je ne sais pas quand, mais un jour ça va venir. Et j'ai confiance. Et je m'abandonne à lui. Il le disait, pas là qu'il est maintenant dans cet état. Il le disait tout au long de sa maladie. Tu allais à l'hôpital, tu n'entends. Combien de fois vous entendez cette sœur se plaindre? Non, ça va bien aller. Ça va bien aller. J'ai mis ma confiance en Dieu parce que lui sait ce qu'il a prévu pour moi. Alors je me confie à lui et je m'attends à lui. Connaître Dieu, c'est important, bien-aimé. Connaître Dieu, ça nous fait gagner beaucoup, beaucoup, et ça nous permet d'ajuster notre attitude. C'est une telle connaissance, donc, qui va créer en nous une confiance, qui va créer en nous une assurance. Parce que si on n'a pas d'assurance, on va marcher en se disant, bon, je continue avec Dieu, tant que les choses vont comme ça, mais si je vois que ça périclite, un peu comme je disais ce matin avec Baruch, il a bien travaillé avec Jérémie, etc. Mais quand il a vu des tuiles continuer à tomber, il dit, mais moi je peux subir un sort semblable à celui de Jérémie, il va se sauver, je vais aller chercher des plus grandes choses. Il pensait à ça. Non. Quand on connaît Dieu, on s'attend à lui, même dans ces circonstances. Et il a entendu la voix de Dieu qui lui a parlé par la bouche de Dieu le connaissait, et Dieu l'aimait, et il savait que Baruch aimait Dieu pour avoir fait ce travail là-bas, mais ce n'était pas toujours facile de supporter et les injures et de voir comment on maltraite celui que vous servez, celui pour qui vous travaillez. Mais voilà, donc ça nous donne l'assurance et ça fait grandir en nous, évidemment, le désir de rester attaché à Dieu, le désir de communier avec Dieu. S'approcher de Dieu, ce n'est pas un exercice en vain. Amen. Je vous invite à vous approcher de Dieu. Ce n'est pas un exercice qui est vain. Il y a des retombées. Il y a des avantages qu'on veut en tirer. Je vous en donne quelques-uns en citant juste quelques passages. Le premier, c'est ce passage que nous avons lu dans Jacques 4, 8. Il dit, mais je m'approche de lui, il s'approchera de moi. S'il s'approche de moi, il va se révéler davantage à moi. S'il s'approche de moi, il ne va pas rester indifférent à ma démarche. Quand il voit que je m'approche de lui, l'avantage, c'est qu'il va s'approcher de moi. Dans le livre de Néhémie, je ne vais pas lire tous ces textes, évidemment, dans Néhémie au chapitre 1er, le verset 11, qui montre comment Dieu nous donne le succès dans nos entreprises. Quand nous nous sommes approchés de lui, quand nous nous confions à lui, quand nous avons confiance à lui, il donne le succès à nos entreprises. Et Néhémie avait comme entreprise d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Une grosse entreprise. Sachant qu'il y a de l'opposition, sachant qu'il y a des ennemis, etc. Mais il s'est approché de Dieu. Il lui a demandé sa faveur et la bonne main était sur lui et toute l'équipe qui l'accompagnait. Il le dit dans Néhémie 2, verset 8. La bonne main de Dieu était sur nous.
Pourquoi? Ils ont vu la faveur de Dieu. Et pour avoir les matériaux qu'il fallait, et pour avoir les agents, les services de sécurité qui l'accompagnaient, et pour avoir tout ce qu'il fallait pour reconstruire les murailles, ben, il a vu la main de Dieu. Il a reconnu la main de Dieu, et c'est Dieu qui nous permet finalement d'accomplir la mission qu'il nous a confiée. Amen. Dans l'évangile, selon Luc, au verset 10, ceux qui étaient autour de lui, je vais lire ce verset, Luc 8, je vais lire oui, ce sont ses disciples au verset 9 qui lui demandaient ce que signifiait donc la parabole qui venait de leur parler, c'est cette parabole de quelqu'un qui sème dans une partie de la semence, tombe le long du chemin, vous connaissez. Alors il dit au verset 9, ses disciples lui demandèrent à Jésus ce que signifiait cette parabole, et il répondit, il vous a été donné, vous qui êtes proche de moi, vous mes disciples, vous qui vous approchez de moi, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ceux qui ne font pas le pas, ceux qui ne s'approchent pas de moi, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ceux qui ne s'approchent pas de Dieu, ben, il y a des choses qui restent floues dans leur esprit, ils ne comprennent rien de ce qui est enseigné. Mais quand on s'approche de Dieu, il nous révèle les mystères cachés. Même chose dans Luc au chapitre 10, les versets 39 à 42, je ne vais pas lire. La parole de Dieu nous enseigne des choses qui nous marquent à jamais et qui ne nous seront jamais ôtées. Ce que Dieu nous donne quand nous nous approchons de lui, c'est des vérités profondes, des choses qui ne nous seront jamais ôtées. Dans le psaume 90, le verset 12, alors que dans ce psaume, il est dit que le nombre de jours de l'homme est de 70 ans et que pour les plus robustes, c'est de 80 ans. Au verset 12, il dit que la parole de Dieu, Dieu nous enseigne à bien compter nos jours. Quand nous nous approchons de lui, il nous apprend à bien compter nos jours et à appliquer notre cœur à la sagesse. Pourquoi? Parce que nous savons que nous ne sommes pas éternels ici sur terre. Dieu nous révèle. Il y a des avantages de s'approcher de lui et donc il nous donne sa sagesse qui nous amène à craindre Dieu, mais aussi à savoir gérer ce que Dieu nous confie. Dieu nous confie beaucoup de choses. Dieu nous confie le temps. Tu sais, les années que Dieu te donne à vivre, tu rendras compte de ce temps qu'il t'a donné. Il nous confie le temps. Il faut savoir gérer ce temps pour les intérêts du royaume. Il nous confie de l'argent, même chose. Nous disons, l'argent que Dieu nous a donné, ce n'est pas seulement pour garder en banque, ce n'est pas seulement pour construire des bâtiments personnels, c'est aussi pour contribuer à l'avancement du royaume. Il nous confie les talents. Les talents sont là aussi pour les mettre au service. Tu dors sur tes talents, alors que l'Église en a besoin, tu rendras compte. Amen. Donc, Dieu nous apprend à le craindre et à savoir gérer ce qu'il nous confie. Tout ce qu'il nous confie, c'est comme des semences. C'est comme des semences qui doivent être utilisées pour sa gloire. C'est vraiment comme des semences. Et en parlant de semences, je vais aller vite dans cette histoire, une sorte d'échange qu'il y a entre deux agriculteurs qui comparent un peu leur production. Ils ont quasiment le même type de terrain, ils ont utilisé le même type de semences qui viennent de la même maison, etc. Ils utilisent le même type d'engrais et tout, mais l'un fait beaucoup de récoltes et l'autre en fait moins. Mais quel est ton secret? Quel est ton secret? Et alors, celui qui fait la bonne récolte ici, il dit, voici mon secret. Il dit que, pendant qu'ils sont en train de discuter, d'abord il lui dit, écoute, c'est mon temps de me retirer là. C'est le temps que je dois me retirer maintenant, parce que je dois aller préparer, moi, ma semence. Je dois aller tremper. Il dit, je vais tremper ma semence. Je dois aller la préparer. Ce n'est pas juste que je prends et puis je jette à terre. Moi, je prépare ma semence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire simplement qu'avant de mettre sa semence en terre, il la trempe dans un liquide, c'est ce qu'il explique, et ce liquide ici, à le temps, permet à la semence de gonfler et même
de commencer à germer avant même que ce soit mis dans la terre. Voilà un peu son secret. Si bien que quand il dépose cette semence dans la terre, ben, elle prend vite racine et elle germe vite et elle produit vite des fruits. Ce que l'autre ne faisait pas. Et il explique, évidemment, il dit, c'est quoi ce liquide qui est l'eau, est-ce que je peux l'acheter? Oh! Lui, il dit, ce liquide, c'est la prière. C'est la prière. Je trempe ma semence dans la prière. Et une prière qui est faite de deux choses. D'abord, la semence que je fais, c'est pour que je fasse beaucoup de récoltes parce que mon cœur est à faire du bien aux gens. Il y a la famine dans le coin où il y a très peu de production. Alors, moi, je veux que quand je produis beaucoup, que je puisse faire du bien à ces nombreuses personnes qui meurent de faim autour de moi. Un cœur de compassion l'anime à chercher beaucoup de récoltes, pas pour lui seul, mais il est en train de voir d'autres personnes. D'autres personnes. Ça nous concerne, nous aussi, vous allez voir. Ça nous concerne, nous aussi. Parce que quand nous déposons la semence de la parole de Dieu, nous ne le faisons pas juste pour dire, OK, je me suis acquitté de mon devoir, etc. Mais nous le faisons parce que nous avons le souci des âmes. Il y a des larmes que nous versons en prière. Il y a des larmes que nous versons parce qu'il y a des gens qui meurent dans l'ignorance. Il y a des larmes que nous... etc. Ce n'est pas juste pour déposer dans la terre. Les larmes versées en luttant dans la prière. Il n'y a rien d'acquis. Tu peux distribuer autant de traités que tu veux, mais si tu n'accompagnes pas cela par la prière, si même Dieu ne te précède pas là-dedans, c'est ça que tu fais qu'il n'y a pas de résultat au travail que tu fais. Ou des résultats sont tellement maigres. Les larmes versées dans la prière. La Bible dit dans le psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonnent en chantant, avec allégresse. » Voulez-vous moissonner? Nous sommes dans l'année de récolte, mais il faut semer avec larmes. Prier, pleurer devant le Seigneur pour toutes ces âmes que nous recherchons. C'est ça que nous apprend un peu cette histoire de ces deux agriculteurs. Hein? C'est pas que nous vous demandons de devenir des pleureuses ou des pleureurs. Hein? Parce qu'il y en a qui sont professionnels. Il y en a qui sont professionnels. Il y a des gens qui sont formés pour pleurer, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons juste savoir que Dieu est sensible aux larmes d'un cœur qui s'approche de lui. Dieu est sensible à ces larmes parce que nous pleurons en faveur des autres. Nous voyons la misère dans laquelle les autres se trouvent et nous pleurons parce que nous ne prenons rien pour acquis. Donc, très important de s'approcher de Dieu dans la prière parce que Dieu n'a pas de dédain quand on prie à lui. Il n'y a rien, aucune prière qui va monter auprès du Père que Dieu ne veut pas écouter. Il n'y a pas. Il écoute. Peut-être que vous ne voyez pas de réponse tout de suite. Quelqu'un un jour dit que les prières montent, mais elles sont accumulées dans un panier. Un jour, ça va déborder et puis vous allez avoir les résultats et les retombées de vos prières. Donc ne lâchez pas, continuez à prier. Et c'est tellement vrai que cette idée-là de verser des larmes, etc., a été reprise dans deux citations de certains hommes de Dieu. Il y a notamment Augustin d'Hippone, qui était un évêque en Afrique du Nord, etc., un des pères de l'Église. Il a dit ceci, « Dieu entend mieux un sanglot qu'un appel. » Ça dit tout. Dieu entend mieux un sanglot qu'un appel. Ce n'est pas la multiplication des paroles, ce n'est pas en criant trop fort que Dieu entend nécessairement, mais il va entendre mieux un sanglot, parce qu'un sanglot, c'est une manifestation extérieure de quelque chose qui vient du fond de notre cœur. Le cœur est touché et ça se traduit par ce sanglot. Donc, Dieu entend mieux un sanglot qu'un appel, parce que certains appels sont parfois comme une exigence, alors que Dieu ne doit rien à personne. Des fois, nous disons à Dieu, c'est comme si nous sommes en train de lui donner des ordres. Non, Dieu ne doit rien à personne. Charles Spurgeon également a dit ceci, il dit « rentrons », il a invité les gens de son époque, « rentrons dans l'agonie de la prière, rentrons dans l'agonie de... » C'est un prédicateur puissant, mais il considère que ce qui va faire qu'il y a des changements, qu'il y a des bouleversements, c'est quand on entre dans la prière, mais une prière agonisante carrément, dans l'agonie de la prière. Donc tout en étant... un grand prédicateur, il savait que l'Église devait être
invité à mettre l'accent non pas sur l'habilité des gens ou l'éloquence des gens, mais que l'Église doit mettre un accent sur l'habilité à prier et à prier sans cesse. À prier sans cesse, à combattre dans la prière, c'est vraiment un signe ou un thermomètre, appelez ça un thermomètre spirituel d'une église. Une église qui ne prie pas, il n'y a rien, pas grand-chose qui se passe. Vous êtes d'accord avec moi? Une église qui ne prie pas, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Juste regardez nos réunions de prière le mercredi. J'essaie de le répéter. On est un nombre restreint de personnes. Pourtant, chacun pourrait faire un effort, dire, je peux peut-être pas aller là tous les mercredis, mais de temps en temps, je me joins à l'équipe. Je me joins à l'équipe. J'apporte ma contribution. Une larme de plus. Amen. Hein? C'est un appel du pied que je fais encore là pour la prière. Donc, bien-aimé, je termine ici parce que, quoique Dieu nous appelle vraiment à avoir du succès dans les entreprises, il nous appelle à avoir une année riche en récolte, récolte d'âmes notamment, et il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions y arriver. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Le secret réside dans ces points ici. Un, c'est de s'approcher de Dieu dans la prière. S'approcher de lui avec assurance. Lui ne nous a pas créés pour que nous fassions ce que nous voulons. Il nous a créés parce qu'il veut être en relation. Il veut être en contact permanent avec lui. Dieu veut ça. Deuxième chose qui est importante, Dieu veut que nous soyons à son écoute, afin que ce soit lui qui dirige nos pas, qui nous oriente. Le Saint-Esprit est là pour ça. Saint-Esprit, c'est lui qui nous a envoyés pour qu'il nous conduise en toutes choses. Amen. La troisième chose, c'est que nous devons apprendre, évidemment, à utiliser à bon escient tout ce qu'il nous donne. Il ne nous donne pas pour que nous puissions accumuler, oui, ok, j'ai tel don, merci Seigneur, j'ai tel don, mais c'est pour que nous puissions l'utiliser à bon escient. Amen. Pour que l'Église avance et enfin, pour que nous puissions développer la passion. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous développions la passion pour lui en ayant un peu plus de temps d'intimité avec lui. Et c'est comme ça que vous pouvez espérer porter des fruits dans votre vie. C'est un peu ça le prix à payer. J'ai dit, la vie chrétienne n'est pas une vie où on vient et puis on s'assoit, on attend. Il y a un prix à payer, hein, donc, dans la vie chrétienne, afin que ce que Dieu veut voir réaliser arrive, afin que ce rêve qu'il a pour toi, pour cette église, se réalise, il y a un prix que chacun de nous doit payer. Et c'est la même chose pour nos familles, c'est la même chose pour le pays dans lequel nous sommes. Que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre ces choses et que nous puissions voir des changements. Nous sommes une année de récolte, que ce ne soit pas des déclarations en l'air. Il faut qu'on y travaille pour que nous puissions avoir la récolte. Nous savons maintenant comment il faut préparer notre semence. Amen. Dans les larmes, hein? Dans la prière. Amen. Dans la recherche de cette intimité avec Dieu, et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen.